Amis téléspectateurs HPM, bonsoir. Wapam, c'est l'Alan Fritz depuis Port-au-Prince, qui va présenter toute actualité qui a dominé sur le territoire national pays d'Haïti. Bonsoir, PDG Abner, c'est un plaisir pour journée dimanche, qui c'est 27, 26 février 2023, pour présenter pour téléspectateurs HPM information sans mélange sur actualité. Cap Brazzaville, pays d'Haïti. Nous disons gros bonsoir à super branché émission Grand Dossier. C'est un plaisir pour nous encore présents et vivants, sous permission de Dieu Tout-Puissant, pour présenter toute information cap fait actualité yo en Haïti. Information yo en pile. Et ça qui plus dominé actualité en Haïti, CARICOM, ak pays Canada, les États-Unis, saisi dossier Haïti entre les mains de l'ONU. 27 février, Kwelvina, yon délégation nan CARICOM, accompagné pays Canada, a pile sol pays d'Haïti, lundi 27, qui pral vini là, ou pral gen détail sur quantité rencontre yon prévoit. CSPJ t'a décidé le gounia là pour le passer dans phase camper loin avec magistrat qui pas joine qui pas certifié. Magistrat qui pas certifié yo, CSPJ pral déclencher yon opération camper loin bureau pas mettre pointe orteil yo dans bureau. Deux journalistes t'a attaqué sous route aéroport Toussaint-Louverture, vendredi qui était 24 février 2023. Bouche l'ouvrit entre commissaire Miscadet, magistrat commune et Miragouane, ensemble avec DG immigration dans question passeport. Même question passeport ça, il y a l'autre mouvement qui a réglé dans même question passeport ça. Ces points ça yo à campi l'autre qui va faire essentielle information nous va présenter pour amis téléspectateurs HPM qui pas jamais raté émission Grand Dossier. Bouche l'ouvrit entre commissaire gouvernement Muscadin pour ville Miragouane face à mairie commune Miragouane pour département NIP, mélangé avec directeur général service bureau immigration dans département de NIP, en dans ville Miragouane, toujours dans question passeport. Bouche l'ouvrit ça, même rivé cause que mairie avec direction générale immigration dans ville Miragouane fermé jouk après carnaval pour y aller définir contentieux yo pour connaître qui ça yo pral décider. Bouche l'ouvri ça si t'es arrivé face à racketeur d'État qui envahit bureau immigration côté commissaire Miscadin. Ouais, moun yo passé trop misère en ligne et puis gon question de mouvement l'argent. Et c'est gros bab en dedans qui a fait mouvement yo, c'est employé qui a fait, c'est pas exactement des particuliers qui viennent chercher la manjaille dans bay tête yo emploi raquette. S'entendez à gen même tabok qui bay, gen directeur qui prend coup. Et c'est comme ça y est. Entendez en pile détail sous comment situation ça t'est dans ville Miragouane qui contrôlée par commissaire Ernest Muscadet. C'est magistrat commune Miragouane non pas le de là suite avec lui-même ses voix commissaire Muscadet. Jusqu'à nouvel ordre qui t'a fait la même délégation dans le tête de la classe. On va au courant.
J'entendais là, c'est yo femen et sous-tend des versions par commissaire Miscadin qui s'allie. J'en sortant de là, c'est comme ça. Bagay question passeport ça, mettez gros parlant pile dans territoire national face à employé l'État
qui a fait du job, il a travaillé pour l'État et en même temps, c'est employé compagnie qui relaient racketter à tes plates. Ah, pas soit pour finir ou pour attendre ça qui a passé dans la ville de Jacmel. Avec visa Biden, ça, c'est une question de bail cob pour passeport. Ou pas gain cob dans poche ou pas capable de joindre passeport pour aller dans visa Biden. C'est pour aller dire ici de babay. Eh bien, pour dire babay là, 10, 15 000 dollars, c'est lui capable d'avoir accès à un visa. On passeport, excusez-nous, puisque by visa Biden, on va gagner visa là-dedans. Son petit message, et puis gaz collé. On donne dans Miragouane, comment ça y est lui-même? Écoutez ça. J'entendais, ça c'est pour ville sud-est, à hauteur de ville Jacmel. 11 000 dollars pour sortir un passeport. Mais il y a un autre problème toujours. Jeudi dimanche, qui c'est 26 février 2023, immigration dans la rue, pas ouvert porte li. Pas de personne employée. Pas de personne employée qui te mette point de pied parce que jeudi dimanche. Il n'est pas ouvert de 8 h pour midi, mais ça va éviter que si la yo cap dormi levé, qui a 22 jours, mois, 15 jours, 8 jours, qui pas capable retirer passeport dans l'immigration, faut que gagne 3 000, 4 000, 5 000 dollars pour traverser pour essayer passeport paré. Yo te décidé passer colère yo devant immigration jeudi dimanche là, côté très tôt al pour joindre palette. Qui était bon la rue, yo utilisé le mettre sur route la rue. Et ça pas assez pour te passer stress, dormir levé sans service. Yo t'es obligé mettre 10 feux devant barrière entrée immigration pour annoncer directeur lundi qui va venir là farine pas venir dans même sac dans question passeport là. L'image qui a circulé sur les réseaux sociaux t'a montré un jeune homme qui a passé dans une petite fente entre deux bétons pour être capable de voir comment il est capable de rentrer à cause de barrières qui bloquent, il n'y a pas de corps pour le traverser. Monsieur Collé, son lot corps il vient pousser le fait bac pour décoller le bord derrière lui qui finit de traverser et puis l'autre bord derrière lui ne pas font pas. Vous êtes capable de comprendre? Je crois en Dieu, monsieur, qui a pesé entre deux bétons, yo, tête li en bas, on pied le passé, on dé le passé. Et puis, je crois en Dieu même, a pesé côté A, ou a connaît, je crois en Dieu là, pas fait le mal. Petit bagaille, qui compte tout monter, même sur l'évangile, mais devant pantalon catholique, ou bien devant pantalon pas protestant. Et bien, monsieur, il y a un petit problème avec devant pantalon, dans petit couloir, t'as le passé pour t'as le prendre d'assaut. Il était obligé d'abandonner tout trou ça. Non, toujours la question. Passeport, laissez pas en la tête, mais moun volé. C'est pas barrière au filet, c'est pas étage au filet monté. C'est deux fentes de béton. Il a le fourré tête, il la donne, et puis derrière, il a collé. Question visa Biden. Deux journalistes qui travaillent pour agence Variété Presse, attaqués par des hommes armés. Vendredi, qui était 24 février 2023, à hauteur de 7 h à soir, sous route aéroport. Mathurin Jean Sangel, qui est PDG Variété Presse, ensemble avec Joseph Timothée, directeur information Variété Presse, t'a préparé pour rentrer la caillou lorsque t'a suivi par une motocyclette qui guenait armée à Borly. Je te prends matériel, monsieur, yo, plusieurs téléphones, avec l'autre matériel yo utilisé dans le travail, avec l'autre matériel qui prêche pour yo. Et monsieur civil armé, yo menacé journaliste, yo, pour reproche que vous faites, il a proposé pour quelques
article yo publié qui pas marché dans sens civil armé yo. Problème yo pas piti, yo pas mince. Son l'autre phase dans question travail journaliste en Haïti, si l'État haïtien a demandé explication sous propos qui dit commissaire Jacques Lafontaine, t'es besoin monsieur émission Martin Débat vient expliquer yon propos que yon te baye pour le montrer au client pour yon dire le palais. La police nationale le hatouye yon, peut-être confrère yon défendre qui te arrêté sans par contre pour qui cause yon nan sak te pote renfort yon al nan mog, tête droite, en babal la police. Negal fait reportage dans la boule 12, de patouné. Dès l'examen touye yo, couvri manifestation travail qui a demandé augmentation de salaire. Yo touye youn de l'autre blessé sur route aéroport en babal la police. Et civil armé t'a demandé monsieur pour corriger sa kap sot nan boucho ou bien ça a écrit dans une série de articles. Bon, c'est un métier peut-être c'est celle bouchou gen pour parler. Et même bouche gen des fois gen loire mon côté ou pas capable parler parce que gen des calottes yo bon ou ka pon calotte là et puis tout dans des vont ni dans en l'air ni ça kan barraché gen des gens pas capable prononcer une série de mots et dans presse là ou pas capable prononcer mot n'importe comment ou ka tout fuck up là hein m'pa dit faux bop non seulement on fin faux bop là on fin racher dans ou ka tout fuck top tout aller ou pas ka parler ou faux bop de faux bop ça veut dire pas gain temps ou faux bop et quoi que ça pas ka dou là ou faux bop et bien c'est comme ça la presse dit retrouver journée jeudi a dimanche 6 là c'est tête chargé bagay yo pas piti Jean noté annonce information yo yon délégation CARICOM ta droit débarqué Jotay Piel en Haïti, jour cap 27 février 2023, dans la cour Port-au-Prince, délégation CARICOM nan a accompagné ak représentant pays Canada, yo gen pou kontre ak officiel haïtien, mélange ak personnalité politique, premier ordre. Moun yo la considéré nan personnalité politique, premier ordre, ak officiel haïtien, première rencontre l'a faite avec PM Ariel Henry. Deuxième rencontre a faite avec Maître André Michel sous bénédiction représentant accord 21 décembre 2022. Troisième rencontre l'a faite a gagné la dernière pour nous dit pour 21 décembre avec SDP. C'est comme quoi Maître André Michel a représenté deux têtes. SDP Ariel Henry a accord 21 décembre. Mais SDP pas l'autre branche là Nenel Kassia pap là a bien la dani professeur Jackie Lumark nous pas connait pour qui secteur Jackie Lumark ap là ou bien Jackie Lumark pral jouer un rôle en dans gouvernement ou bien représentant international là yo commence à présenter là parce que pas dit à qui titre là et y a chita avec représentant accord Mondana Canada ak les États-Unis, m'nap di Canada ak CARICOM à présent c'est comme quoi on capable di CARICOM prend dossier Haïti a nan men Nations Unies qui lui-même a colmozo koli côté Nations Unies janvier pral passé les sanctions li te parlé pour tout pays qui membre Nations Unies publier liste non moun ki sanctionné pour moun kap financé ak armé groupe armé Nations Unies jodi a 26 février en ken liste pas publié ni sorti Conseil sécurité te parlé de déploiement sous demande PM Ariel Henry rencontre ça boycotté pour ne pas dire coincé ak position la Chine mélange avec la Russie. Est-ce que c'est coup de guidon qu'a fait ou du moins c'est chancre qu'a fait et jodi a même quand on a parlé là mot force internationale
pas parler sous territoire. Ni Nations Unies, ni pays les États-Unis, ni Canada, c'est jebede, y a jebede sous question renvoi force. Je dis à ce 26 février, même Canada ça a quitté annoncé dans les jours à venir, a bien deux navires royales dans l'eau territoire, dans l'eau territoriale pays les États Haïti, Hedek, en y est pas fait. Et entre-temps, présence soldats étrangers dans machine location en Haïti, est-ce que c'est dominicain? Parce que dominicain gagne 5 hélicoptères, il vient pour faire taxi hélicoptère ici, sous prétexte, il vient protéger personnel en Haïti, pendant un pile diplomate qui coincé ici, à séjourner en République dominicaine. 5 hélicoptères pour venir protéger consulat, c'est 5 hélicotaxis, puisque yo pas parfait job évacuer un seuil de nèg qui chaud ici pour n'importe 10 15 al même pour 30 000 dollars américains. C'est l'argent qui a brassé sur territoire. Qui ça cap sorti dans question CARICOM? Solution crise là, c'est ici nous-mêmes en Haïti qui pour joindre. Mais est-ce que c'est vrai n'abrenni l'international, est-ce que la réussi face à ce qui a passé territoire national pays d'Haïti? Seulement n'ap capable dire bonne chance à délégation qui va venir. Yo nouveau bras de fer pour nous badi dans système judiciaire pays d'Haïti sorti dans crise sous le règne de Jovenel Moïse pour capable combler la cour cassation au lieu la cour cassation t'est comblée. Sous 6 juges qui te rete, pour te mettre 3 sous l'IFE 9, l'opposition qui te en face li, te organisé un coup d'État, yon 7 février 2021. Yon coup d'État raté, qui te soldé par assassinat quelques mois plus tard. Je dis à, en dans système judiciaire nous, gen l'autre difficulté. C'est SPJ, acte exécutif là sous processus certification an, question pour magistrat yo qui passe qui gagne qui pas joine qui non certifié et bien gouvernement PM Ariel Henry a pas voulu obéir avec exigence CSPJ parce que commissaire gouvernement ça fait le gouvernement li vin régler lui-même. Et yo même si c'est SPJ qui a un problème à monsieur yo, yo même yo pas gagne. C'est SPJ bon côté par li, gen plus passé 28 juges ak magistrats. Pour nous dali magistrats qui gen difficulté, eh bien c'est SPJ li passe yon nouvelle phase en l'autre vitesse. C'est SPJ t'a mandé avec chef juridiction pays d'Haïti, li interdit juge yo nan certifié qui pas certifié yo pour prendre siège. Si juge ça yo pas ta vle descend tension yo sous l'autre ça faut yo fait appel à la police pour venir fouquer yo dehors. Et c'est spécial avancé li dit faut yo remettre véhicule ak l'autre matériel qui nan main yo une fois que note ça li publié. Nous par contre qui date le code des idées pour la joindre Jacques Guy Lafontaine, il t'a tout profité rivé parce que Jacques l'assemblée son n'a pas gardé qui en ça passé nous pas fait fuite en avant. C'est comme ça dossier li situé li là en dans territoire capitale porte sans principe pays d'Haïti côté l'État en face l'État. Parlementaire que te kondi le pouvoir arrête le pouvoir. Nous capable dire là autorité fouqué autorité. C'est dans ça nous retrouver nous journée jodi a. Nèg exam nan men yo gen deux communes en dans département de la Tibonite qui tap marché quadium qui pas de kon problème par l'autre commune en dans département. C'était tout pas Marchand des Salines. Dans
pluie d'insécurité, tempête d'insécurité qui a traversé le pays d'Haïti, marchands de saline dans la Tibonite commençaient à enregistrer taux d'insécurité pâle. Samedi 25 février, dans la commune marchands de saline, il a déjà enregistré deux cas moun kap volo moun moun. Ça n'a rele kidnapping. Machan, gen deux kidnapping qui ki fait la donne. C'est avancé. Monsieur yo, chef insécurité yo, a avancé. Justice populaire, nene. C'est sous nom ça, yo konen. Monsieur lui-même, nan tom gato, ta tombé en bas main population. Et sortant de monsieur l'état mouri. Nenè, qui gen pour bon nom, et nenè nan tom gato, population ta pren, monsieur, yo ta brûlé le vif. Et c'est dans section communale qui limitrophe ak commune Léogane, ak Jacmel. Côté journée samedi 25 février, la population était contrainte. Yon assassinat, monsieur Tefin assassiné un certain Rasta à un coup de bâton. Et Rasta était mort là pour là, qui est Luckner alias Néné. À un seul coup de bâton, il tue Rasta. Et population t'apprend, monsieur. Il pas fait l'autre bagarre avec lui. Dans la section communale Tom Gato. Yo brûlé monsieur tout vivant. J'entendais là, yo brûlé monsieur, néné brûlé tout vivant. Jean nous présentons détail là. Commissaire Miscadin, nan de jeune homme, il était arrêté dans la commune Akin, c'est trois yotés. Gayoun qui t'a porté nom For Life. For Life, eh bien, monsieur lui-même, il te gen zam nan men, policier yo nan échange, yo eten souf, For Life. Bara ou papiti, parmi trois yo, gayoun qui allait droite devant Baron. Chef for life. OK? C'est non ça. Chef for life, li tombe. OK? L'autre chef, nous connaissons qui cabaret. Monsieur lui-même, c'est Walt après le talmené, monsieur, l'hôpital. Selon dernière information, nous gagnons sous 3, 4 survivants dans chaloupe qui était exposée. Il y a information qui a pas avancé, qui t'a fait croire que c'est seulement Youn, monsieur, qui était vivant. Mais l'autre, déjà à l'boîte en bas, brûlure mortelle qui rivait tout yo. Commune Mirebalais commençait à enregistrer cas insécurité pâle en dans tempête ça qui a traversé Haïti. Insécurité avec blackout a ouvert col dans ville Mirebalais. Bagayo pa mince, yo pa piti. Vendredi 24 février 2023, Negaxam ta rentré Kasekay nan zone Rue Gérard, Rue Geffroy nan Aswe. Et même sous ça ta révélé et rapporté que Negaxam ta mette du feu nan machine Médecinville et Kasekay li nan zone route 9 pour zone l'autre bord de l'eau, zone la source, même en face kay commandant Bobby. Bandi armé tara les âmes sou yon moun ki tap transporte gaz, frizli, et pren tout salte genyen ke l tap pote. Sa passe semaine ki sot passe la. Bagay yo pa piti, et il ressemble que patrouille police ki te kon très fréquent nan ville la genyon réduction sou présence patrouille police dans la ville Mirebalais. Information que nous tirons sous RTH, Force Info. Braillon pile, yo papiti sous territoire,
Chaque jour, c'est territoire qui a avancé. Et selon dernière information, nous gagnons dans l'après-midi 26 février 2023, 10e orangé. C'est une section communale en dans 10 sections, commune Croix-des-Bouquets, en même temps arrondissement Croix-des-Bouquets. Négaxam t'a font retourner encore dans Michaud, Mononville, marché Michaud. Dans le moment où on a parlé là, monsieur a préparé à soi même pour incendier plusieurs maisons. Il était estimé, il était doué mettre du feu là-dedans. Dernièrement, semaine qui s'est passée là, c'est en deux reprises, monsieur yo t'es allé attaquer Mononville. C'est grâce à l'intervention les hommes de Canaran 2 qui étaient montés en l'air sous l'ordre chef yo. C'est chef groupe armé, yo, Jeff, qui t'a mis de l'eau dans divin, monsieur. Yo. Et dans le moment où on a parlé là, monsieur, yo de retour. D'ici celle, tu as démenti information qui t'a fait quoi que business qui est dans la zone toujours. Même gens à résidence privée, yo, te recevoir lettre pour yo te payer rançon pour chaque mois que civil armé te voye bayo. D'ici celle, dit non seulement lui-même, il n'a pas recevoir aucune lettre. Ni lettre cahier, ni lettre tournée. En même temps, l'autre business qui contacte yo, pas qu'on question de lettre que yo t'a avancé, ces pressions yo fait sous lit, l'elle t'a essuyé des tirs dans le local li, comme quoi c'est nèg exam qui t'a tiré sous le local là pour forcer le payer rançon. Entre-temps, information qui sortit dans Turjo, t'a avancé que après ultimatum 25 février, que civil armé yo te exige paiement 100 combien 1000 goud à clot. En pile moun ki réside nan coin di yo entre nan question sauve ta poule à domis à l'intérieur République d'Haïti. Yo retire ko yo nan zone nan et sak poko ale yo konnen se kay ap chèche pou yo vide les lieux. Info d'abord, s'il vous plaît. Wanamet a un problème. 25 millions de gouttes ont été balis pour organiser le carnaval. Pendant Jacmel a plaint, Port-au-Prince a plaint, c'est 15 millions de balis. Et au bali même 25 millions. La population a demandé si c'est vrai, c'est là 25 millions que tu as dans la même mairie. Wanamet là. Bah, yo capable de couler avec moi. Hey, bah, yo habite nous là. Oh, ah oui, tiens, je suis capable de couler avec moi. Sauf accident a exigé libération docteur qui te joint enlèvement et c'est lui coordonnateur. Stop accident pour civil armé, tu as dégagé, yo retiré en otage pour le capable de continuer de travailler dans stop accident comme coordonnateur. Tout côté, c'est problème, problème pire et personne ne peut voir comment la situation a avancé. Si dans un temps, vous avez exigé PM Ariel Henry pour le Chita avec sénateur Moïse Jean-Charles pour Petite Dessalines, auprès de la communauté internationale, vous avez suggéré la délégation CARICOM à Canada Cabine là. Écarté Chita ak Moïse Jean-Charles, chef Petite Dessalines. C'est point ça yo avec un pilote, nous sommes développés pour là. C'est avec un pile qui est content pour nous retrouver pour jeudi, dimanche 27, excusez, 26 février 2023. Pour encore présent et vivant, sous permission Dieu Tout-Puissant, pour présenter aux choses qui toujours manquaient, dans même l'heure, sous même cadran, avec même voix, Lalan Fritz. Jean Konen, nous pas capables de virer sans pas quelques salutations à vitesse. Liev. N'ap salue Stevenise Sydney, Marie-Carmel Saint-Hilaire, Mondi Jacques, Jean-Philippe,
Jocelyne Philogène, Solange, et Rose Théodore, Rose Jean-Marie, Marie-Étienne, Narou Gentil-Louis, et en dernier lieu, nous saluons Bernard Jean-Launier. C'est un plaisir et nous disons merci. Passez un bon fin week-end. À bientôt. Au revoir.